Situation inédite dans le canton Toulouse-13-Colomiers. Les candidats du PS et d'Europe Écologie, avec respectivement 38,87% et 22,56% des voix, se retrouveront face à face dimanche prochain. Aucun accord n'a pu être trouvé. Oui, c'est très embêtant. Oui, il faudrait que les gens arrivent à travailler ensemble pour que ça puisse avancer. Ça s'explique aussi par la situation politique locale. À Colomiers, c'est comme ça. Dans ce canton, Christophe Béguet a obtenu près de 2000 voix de plus que Patrick Jiméné. Le report des 1484 voix du candidat UMP et des 2097 voix de la candidate FN comptera dimanche prochain. S'il y avait un désaccord profond au niveau du programme, il n'y aurait pas eu d'accord départemental. Donc je pense qu'il n'y a pas de désaccord profond. Je pense qu'il y a un fort problème d'ego. Le 28 mars, à Colomiers, dans le canton 13, il y aura de la lumière et qu'il faudra que tout le monde, pour préparer 2012, soit ensemble. Europe Écologie Les Verts n'est pas une force supplétive du Parti Socialiste. On peut être partenaire à certains égards, mais on est une force autonome. Je viens de la société civile, je ne suis pas un professionnel de la politique. En face, il y a quelqu'un qui est un pur produit d'un système. Ici, ce second tour des cantonales pourrait bien laisser des traces entre socialistes et écologistes.